Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo macramé. Nous allons faire un sac et pour ça, vous allez avoir besoin uniquement de la corde à macramé. Pas de mousqueton, pas de hanse, rien du tout. Tout va se faire en un seul bloc avec donc uniquement de la corde à macramé. Cette vidéo est en collaboration avec Macramakiz. Je vais vous montrer de suite la bobine. C'est donc de la corde torsadée en 4 mm. Il y a normalement environ là-dedans 180 mètres. Et j'ai besoin pour réaliser mon sac exactement de 180 mètres. C'est-à-dire que si jamais j'arrive à finir mon sac comme il faut avec ça, votre sac ne vous coûtera uniquement que cette bobine. Je vais tester cette marque de corde pour la première fois. Je vous dirai donc ce que j'en pense. Donc là, je vais commencer par découper toutes les cordes dont j'ai besoin pour réaliser ce sac. Je vais bien évidemment vous dire toutes les longueurs que je vais utiliser. Et j'espère, vous le savez, hein, dans le macramé, je ne sais jamais de combien j'ai besoin. Je suis nulle en calcul. J'essaie toujours de faire des plans, ça foire tout le temps. Donc cette fois-ci, j'ai besoin de 180 mètres. Il y a 180 mètres. Autant vous dire que je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc on va voir si on peut faire ce sac avec une seule bobine. J'ai commencé par couper mes cordes. Vous avez donc là 8 cordes de 5 mètres. Et là, vous avez 40 cordes qui font 3,50 m. On va commencer par faire la hanse avec ces cordes-là. Et celles-ci, je vais les mettre de côté. J'ai positionné un bout de scotch ici pour tenir mes hanses. Là, c'est le milieu de mes cordes et on va attaquer avec des nœuds plats alternés. C'est les nœuds les plus simples en macramé. Donc pour ça, on va faire donc d'abord avec les quatre cordes qui sont là et ensuite avec les quatre qui sont ici. On passe par-dessus les deux. Celle-là passe par-dessus. On va essayer de bien vous montrer. Celle-là passe à l'intérieur et on tire. Alors là, je vous conseille de tenir. Parce que bon, le scotch, hein, c'est pas non plus super sûr. Et il faudrait pas qu'après, vous ayez un côté beaucoup plus long que l'autre. Car vous allez avoir des soucis à la fin. Parce que là, mon scotch, je sens qu'il tient pas toutes les cordes. Donc là, vous venez serrer. Et on fait pareil de l'autre côté. On passe par-dessus, en dessous et on tire. On vient serrer, toujours en faisant attention de ne pas trop tirer sur les cordes, mais quand même en serrant. On fait pareil à côté, donc vous passez par-dessus. On vient tirer. On monte, on essaye d'arriver au même niveau et là, on fait pareil. On vient serrer. Une fois qu'on est là, on va prendre les quatre cordes intérieures. Donc les deux des extrémités, vous les laissez et vous faites exactement la même chose. Vous allez voir, ce sac est vraiment très très simple. Il n'y a vraiment aucune complication, ne serait-ce que les comptes des cordes pour être sûr de tomber juste. C'est toute la difficulté qu'il y a ici. Et encore, c'est un nœud tellement simple que même s'il vous manque des cordes, c'est très très facile de rajouter au cas où s'il vous manque de la longueur. J'ai une vidéo où j'explique comment rajouter des cordes. Je vous mettrai le lien. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement refaire la même chose sur une certaine longueur. Je vais voir. Je ne sais pas encore si je fais 16 lignes ou 20. Je vais commencer par 16 et après tout simplement vous allez
le mettre sur vos épaules pour voir à quelle longueur vous voulez que le sac arrive par rapport à vos dessous de bras ou autres pour être à l'aise. Ça après, c'est vous qui verrez. J'ai fait 9 nœuds extérieurs, donc c'est-à-dire 9 lignes où il y a 2 nœuds, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En tout, vous en avez 18. Je vais maintenant retourner ceci pour faire pareil avec les cordes qui sont derrière. Ensuite, j'essayerai sur mon épaule, voir si ça suffit. Si ça suffit pas, je vais devoir rallonger de 2 nœuds, 2 lignes de nœuds ici, et donc faire pareil de l'autre côté. Test non concluant. Du coup, je vais rajouter 2 lignes ici et 2 lignes de l'autre côté, sans être sûr que cela suffise. Pas grave, on rajoutera encore. On va faire pareil de l'autre côté. Maintenant que vous avez fini la anse, vous allez venir commencer le sac. Pour cela, ça va être le même principe, sauf que vous allez venir donc rajouter vos 40 cordes. Donc là, vous en prenez 20 pour ce côté-là et 20 va servir pour l'autre côté. On va déjà commencer par celui-ci. Il faut bien sûr à chaque fois prendre le milieu de votre corde. Avec le milieu, vous allez venir le placer derrière vos deux cordes qui sont là. Donc là, vous faites le même nœud que tout à l'heure. En maintenant votre corde pour pas qu'elle bouge, il faut quand même que vous gardiez le plus possible le milieu de votre corde. On vient passer par-dessus, par-dessus, en dessous. On tire. On fait pareil de l'autre côté. On vient serrer et là vous venez le monter tout en haut, donc vous tirez vos cordes, il faut que ce soit bien aligné, ok. Une fois que ça c'est fait, on fait la même chose de l'autre côté, on prend le milieu, on passe derrière et on vient faire ce nœud. Toujours pareil, on le monte tout en haut. On vient sur la ligne du dessous. On reprend 4 cordes. On recommence le même nœud. On fait pareil à côté, on reprend 4 cordes, donc à chaque fois vous laissez les deux qui sont sur les extrémités.
Sur les deux extrémités ici, je vais venir maintenant rajouter deux cordes comme j'ai fait au-dessus. Sur la ligne du dessous, vous l'aurez compris, vous faites la même chose en laissant à chaque fois les deux cordes sur les extrémités avec quatre cordes. On recommence. Le même nœud. C'est la première fois que je travaille avec une corde aussi grosse. D'habitude, je ne suis pas allée au-delà de 3 mm. Et c'est la première fois que j'utilise cette corde-là. Et vraiment, vous pouvez me croire parce que j'ai testé plusieurs cordes. Et celle-ci, elle est très, très agréable à travailler. Elle est vraiment très très douce au toucher, elle vous fait pas mal aux mains. J'en ai déjà eu certaines qui me coupaient là, ça me faisait mal à force de tirer, surtout quand vous faites des grosses créations comme ça, quand vous avez des cordes un peu rêches, ça peut faire mal au bout des doigts parfois. Là, celle-ci, vraiment, elle est vraiment très très agréable. Et elle ne fait pas de peluche. Elle ne vole pas, parce que j'en ai déjà eu des cordes. Que quand je tirais comme ça, j'avais plein de petites particules qui volaient et ça s'accrochait sur mon mur derrière. Et c'est comme ça que j'ai vu que ça volait parce qu'autrement je suis tellement concentrée que je ne le voyais pas. Et c'est quand j'ai pris du recul et que j'ai vu mon mur, j'avais plein de petits bouts de corde sur le mur. Celle-ci, je peux vous dire qu'elle est vraiment... On continue ici, on en met deux autres, une de chaque côté. Et on reprend quatre cordes sur la ligne du dessous. Là par contre, je n'ai rien pour faire tenir ici. Le poids va commencer à arriver. Il va falloir que je trouve une solution. Parce que là, je sens que ça commence à tirer, à descendre. Il va me falloir une attache.
pour l'instant, je ferai tenir comme ça. Donc là, j'ai mis mes deux sur les extrémités. On vient encore en prendre 4. Une fois que vous avez accroché les 20 cordes, donc 10 d'un côté, 10 de l'autre, vous l'aurez compris, je vais retourner la création, je vais venir, tout se casse la gueule, je vais venir faire la même chose ici, et je vous reprends quand j'ai fini pour vous montrer comment accrocher le sac. Une fois qu'on a fait la dernière ligne où on est venu ajouter nos cordes extérieures, donc c'est-à-dire que là vous avez mis vos 10 et vos 10 des deux côtés, vous allez maintenant faire une dernière ligne sur vos deux côtés, c'est-à-dire ici, vous allez reprendre les cordes là, en laissant à chaque fois toujours pareil les deux extrémités, vous faites bien sûr ça sur ce côté-là et ce côté-là, en laissant toujours deux cordes de chaque côté. Une fois que la dernière ligne ici est terminée, vous laissez les extrémités avec les deux parce que tout simplement, c'est là que vous allez réunir vos deux côtés. En fait, vous voyez, vous allez prendre les deux qui sont de ce côté-là. On est OK, là, il est ouvert. Hein? D'accord ? Donc, vous prenez les deux ici, les deux ici. Et avec ces deux-là, vous allez tout simplement faire le nœud qui manque ici au milieu. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Et en faisant ça, ça va tout simplement fermer votre sac. Donc là, vous prenez les 4 cordes. Et vous faites le même nœud. Toujours pareil, vous venez serrer et vous faites attention que votre ligne là, elle continue. Vous voyez? Il faut que ça continue parce qu'après, eh bien, vous allez tout simplement faire des nœuds et des nœuds et des nœuds. En tournant, vous allez faire ligne par ligne. Donc là, vous venez serrer. On vient vérifier, vous voyez, que là, vous avez votre nœud au milieu. On fait pareil. De l'autre côté, vous prenez vos 4 cordes donc toujours pareil pourquoi il veut pas coopérer lui ça coopérait mieux de l'autre côté. Pardon, je suis prêt pour que vous voyez du coup. Voilà, donc on vient bien serrer de tous les côtés et on vérifie que notre ligne est bien faite.
Une fois que votre sac est fermé des deux côtés, on va maintenant faire toujours le même nœud. Et vous l'aurez compris, vous allez faire ligne par ligne tout le tour du sac. Et vous allez commencer par les cordes du milieu. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez bien que ce nœud-là, c'est le nœud du milieu. Donc, vous allez prendre deux cordes de lui, parce qu'on est d'accord qu'il en avait quatre. Hein. On en prend deux de lui et deux d'à côté. Et vous allez faire comme ça tout le long. Donc là, nous allons faire tous les tours. Et je vous reprendrai que à la fin pour vous montrer comment fermer votre sac. On va maintenant venir fermer le sac. Je vous compterai combien j'ai fait de lignes. Donc moi, il donne ça. Il y a quand même pour l'instant encore tout ça de cordes. Mais bon, comme vous pouvez le voir, il y en a des plus courtes. Donc ça, c'est un peu pénible pour bien calculer, pour pas avoir trop de pertes. Mais donc maintenant, on va venir le fermer. Vous prenez, alors, vous voyez au niveau de votre anse, vous avez les nœuds du milieu là, d'accord? Vous allez tout simplement descendre avec votre doigt. Ok, vous allez descendre jusqu'en bas, tout droit. Donc vous suivez bien cette ligne. Donc là, c'est celui-là. Donc, quand c'est celui-là, vous faites tout partir d'un côté et de l'autre. Et les deux cordes qui sont là, vous les attachez. Il ne faut pas les utiliser. Et celles-là, elles pendent. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Bon, alors moi, je le mets entre mes jambes. Mais si vous avez des étous, je ne sais plus. Pour pouvoir le serrer, vous pouvez aussi. Moi, je le fais entre mes jambes. Ça marche très bien aussi. Donc, pareil, vous prenez le milieu. Et donc, c'est celui-là. Donc, pareil. D'un côté, de l'autre. Et les deux, c'est celle-là. On fait pareil. Hop, de côté. On vient prendre le premier nœud qu'on a fait. On le défait. Les deux cordes-là vont être les cordes qui vont vous servir à fermer le sac au milieu. Les deux premières cordes, donc c'est là que c'est compliqué, d'accord, de vraiment bien prendre toutes les cordes les unes après les autres et de ne pas s'en mêler. Donc les deux premières cordes qui sont là, elles passent derrière. Et les deux suivantes, donc là c'est celle-ci et là c'est celle-ci, elles passent derrière. Donc là vous en avez deux de chaque. Vous pouvez faire un petit nœud. Voilà. Et donc avec les deux suivantes, vous allez faire un nœud. On fait bien attention de bien serrer son sac. Et là, on fait le même nœud. Donc, vous prenez la suivante, et on fait le nœud. Et là, surtout, on vient bien serrer. Quand celui-ci est fait, le principe est le même, les deux qui sont là, elles passent derrière, et les deux suivantes,
Elle passe derrière également. Et on vient faire le nœud avec les deux qui arrivent à la suite. Et là, on pense, vous voyez, tout se dessert. Hein. Donc, on pense à très, très bien serrer. Donc, toujours pareil, les deux là vont derrière. Et les deux suivantes vont derrière. On prend les deux prochaines et là on vient encore faire un nœud. Ces deux-là passent derrière, les deux suivantes également, on vient resserrer encore avec les deux autres. Donc là, vous voyez, on commence à voir les nœuds. N'hésitez pas à serrer, il faut vraiment qu'après ce soit vraiment très très bien fermé votre bas du sac. Et là, donc toujours pareil, les deux suivantes. Vous allez continuer la même chose jusqu'au milieu du sac. Et après, vous allez faire la même chose dans l'autre sens. Je vous remontrerai le départ. Mais là, je vais continuer sans filmer jusqu'au milieu. Vous refaites toujours le même principe. Les deux cordes qui ont suivi passent derrière. Les deux suivantes passent derrière. J'ai tourné le sac. Si vous avez pris le même nombre de cordes que moi, vous devez en avoir 23 de chaque côté. Il y en a 46, sans compter les deux là et les deux autres. Vous en avez 46, donc 23, 23. Ok. Pareil de l'autre côté. Je vais vous filmer de plus près cette fois-ci. Donc toujours pareil, on défait le nœud. Et je vais m'avancer. Alors, toujours pareil, hein, on serre bien son sac. On prend les deux premières cordes qui sont là, elles passent derrière. On prend les deux suivantes qui arrivent, elles passent derrière. Pour les premières, je vous conseille de les attacher, puisque à chaque fois, je m'en mêle. Et donc, on vient attaquer avec les deux suivantes. Les deux
passe derrière. Et les deux suivantes également. Vous voyez là, celle-là, elle était en dessous. Celle-là aussi. Si je ne la vois pas, j'attaque avec les suivantes. Et celle-là, elle passe à l'as. Donc, il faut vraiment faire attention. Si vous avez un meilleur support que vos jambes, c'est très bien. Pour pouvoir bien les mettre à plat. C'est pas grave, hein, je l'ai déjà défait, refait. Du moment que vous vous en apercevez assez tôt, ça va. Que vous n'ayez pas tout à refaire. Hop, les deux derrière. Les deux suivantes derrière. Donc là, plus ça va aller, plus votre sac, il va falloir bien bien le tenir. Hein, pour pouvoir serrer. Quand vous avez fini le deuxième côté, au milieu, là, vous allez avoir un petit trou. Donc là, vous récupérez vos cordes qui vous ont servi de fil ici au milieu. On les met chacune d'un côté. Donc là, on ne s'embrouille pas. Et là, vous prenez les deux du milieu, enfin les deux qui se touchent ici, on va dire. Et vous faites un double nœud. Toujours pareil, on vient bien serrer. On fait pareil, on prend les autres. Et on refait un double nœud. Donc là, le sac est presque terminé. Je vous montre toute la chute. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal. La plus courte, elles sont plusieurs. Et elles sont à ce niveau-là. Donc je calculerai à peu près pour vous dire combien vous pouvez enlever si vous souhaitez avoir moins de pertes. Mais voilà, je trouve que ça va quand même. Pour du macramé, et malheureusement on a l'habitude d'avoir beaucoup de pertes. Voilà, allez, on passe à la suite. Maintenant on va venir couper ici. Alors vous allez laisser tout de même un petit peu, hein, vous allez laisser une petite longueur, ok, mais vous allez venir tout couper. Alors, la corde est grosse, et je ne sais pas si mon ciseau va coopérer, puisque la dernière fois, n'est-ce pas, il ne l'a pas fait. Une fois que vous avez découpé toutes vos cordes, vous allez tout simplement venir retourner votre sac pour que vos cordes soient à l'intérieur du sac. Donc plus facile à dire qu'à faire puisque le sac est quand même assez rigide. Mais voilà, il va falloir faire passer à l'intérieur. Ça y est, j'en suis venue à bout. Bon, je sors de la douche, je transpire comme si je ne m'étais pas lavée, mais ça y est, le sac est enfin terminé. Je vais vous le filmer en entier quand même. Bon, l'intérieur, là vous voyez qu'il y a les petites cordes, donc il vaut mieux les couper le plus court possible. Après, si vous voulez mettre aussi un tissu à l'intérieur de votre sac, mais voilà, je suis assez
satisfaite et j'ai hâte de le porter demain. Je voulais vous montrer la perte. Donc, il y a tout ça, mais il faut quand même savoir que la plus courte, on va dire que c'est celle-ci à peu près. Je vais vous dire combien il y a. Voilà, elle fait comme ça. Je vais vous dire ça tout de suite. Il y a 57 cm. Donc, si vous doublez ça, puisque vous avez un côté de la corde et un autre côté, bien sûr, puisqu'elle est pliée en deux, je dirais que vous pouvez enlever 1 mètre. Mais 1 mètre, ça risque d'être quand même très juste. Il suffit que vous fassiez plus de lignes que moi à votre sac si vous le souhaitez plus long. À ce moment-là, vous risquez d'être courte après pour faire vos nœuds à la fin. Voilà, c'est sûr que sur toutes les cordes, oui, ça fait beaucoup de pertes. Mais vous savez qu'avec le macramé, les chutes ne sont jamais jetées, il y a toujours quelque chose à faire. Donc voilà, sachez que vous pouvez en enlever, mais faites quand même attention. Moi, je sais que je préfère en avoir trop que pas assez. Même si, avec ce nœud-là pour le sac, il est très très facile de rajouter des cordes au cas où. Je vous mettrai le lien de la vidéo où j'explique comment faire avec ce nœud-là pour rajouter des cordes au cas où si vous n'en avez pas assez. Ça y est, ce DIY est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, je dois dire que j'ai vraiment adoré faire ce sac. J'en ai fait plusieurs. Bon, j'en ai fait, c'est mon 4e sac. Je les ai tous faits différents, avec des cordes différentes et vraiment avec celle-ci, que ce soit la taille en 4 mm, je vous rappelle, que ce soit vraiment la texture de la corde ou autre. C'est vraiment, vraiment celui-là que j'ai préféré faire. Donc, je vous invite vraiment à aller voir son compte Instagram ainsi que son site. Je vous mettrai tous les liens dans la description sous la vidéo pour que vous puissiez retrouver toutes ces cordes qui sont vraiment toutes plus belles les unes que les autres. Les cordes avec de la en couleur sont juste splendides. Donc je vous invite vraiment à aller voir et à aller aider cette jeune entrepreneuse, car vraiment elle a que de la qualité. Vous pouvez vraiment me croire que vraiment cette corde, mais c'est simple, je n'ai jamais travaillé avec une corde aussi douce. Vraiment, j'ai pas mal au bout des doigts. J'ai vraiment pris plaisir à travailler avec sa corde. Donc vraiment, vraiment, allez lui rendre visite et pourquoi pas lui passer une petite commande. Voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, je vous invite à me laisser des commentaires sous la vidéo. J'essaye de répondre au plus vite. Et je vous dis...